Qu'est-ce que c'est? Stéphane! Oui. Stéphane, t'es là! Surprise! C'est génial! Hé, hey, y a pas photo, hein? On n'a pas besoin de faire un test ADN, hein? Alors... Oh, les cheveux, c'est parfait. Ah bah merci, je regarde, on est beau. Oh. Lequel est le vrai? Eh bien, je suis ravi, je me présente quand même. Ouais. Je suis Stéphane Bern, le frère jumeau de Stéphane Bern. Voilà, on a été clonés comme Dolly la brebis. Alors évidemment, je suis l'aîné, hein, je suis sorti le premier, j'ai fait le passage, comme on a dit. Hein? Tu te souviens de ce jour-là? Je t'ai dit, vas-y, viens, on sort! Et tu m'as dit, attends, je suis bloqué dans le placenta. Oh, écoutez, je suis ravi. Oui. Ah, mais je comprends mieux pourquoi ce matin tu t'es douché, tu t'es parfumé. Attends, t'as oublié ton doudou, je te le présente quand même. Ah, bah alors, dis donc, papa, t'as pas oublié à la maison. C'est pas très gentil. Bon, écoute, ça parle pas un poney. Ah bon, alors je me tais? Oui. Eh, je suis ravi de vous rencontrer, Fovoto, parce que. Stéphane et moi-même, nous sommes très fans de vous. Nous avons des posters dans notre chambre. Oui. Bah oui, parce qu'on est fusionnels. On a la même chambre, la même brosse à dents et la même petite amie. C'est assez fou, quand même. Dolly, la brebis. Oh, écoutez, je suis ravi. Alors donc, ce sont tes amis chroniqueurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Alors Stéphane m'a toujours dit qu'il vous aimait tous. Sauf un. Sauf un. Voilà. Alors évidemment, je pense que la personne s'est reconnue, hein. N'est-ce pas, Jérémy? Ben, j'essaye tellement de lui ressembler, mais c'est impossible. Alors là, l'heure est grave, l'heure est très très grave, ouais. Parce qu'il va falloir faire un choix fauve entre Stéphane et moi-même. Et oui, vous savez, le plus faible va être mangé par le plus fort, c'est la loi du fœtus. Alors n'ayez crainte, j'ai tout prévu. Pour ça, je vais demander à Stéphane et Fauve de bien vouloir me suivre. J'ai un plan, c'est un plan à trois. Allez, on y va. Stéphane. Alors, faut que j'y aille. Eh oui, bien sûr. Alors. Fauve, Stéphane Fauve. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va faire un battle de danse. Oh. Et Fauve va devoir choisir entre toi et moi celui qui pourra éponger son front pendant 5 ans. Alors, on va commencer par un premier style de musique. Stéphane, c'est toi qui commences le battle. Et alors, c'est entre quoi? Entre toi et moi, premier style de musique, s'il vous plaît. Laisse-toi guider. Action. Allez, lâche ton corps. OK. Il y a un deuxième style de musique. Ouh. À toi. Alors, là, Fauve, on va se rapprocher. Ça va être le moment où vous allez devoir prendre une décision et choisir entre moi et Stéphane. Ça fait peur. Roulement de tambour. Bah, je prends la douceur de Stéphane. Pardon. Bon, juste pour lui apprendre. C'est pas grave. Juste pour lui Breakdown. Ça a toujours été le chouchou. Un grand malade. Un grand... Non mais Zary, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait plusieurs fois que vous venez dans l'émission. Je bosse, moi, oui. Tu sais. Mais en fait, Stéphane, j'aimerais travailler avec vous. Mais ça fait un peu peur. Ça, ça dépend pas de moi. Est-ce que vous avez envie que je revienne faire des personnages? Oui. Bon, on va... C'est pas moi qui décide. Merci, Fauve. Voilà. Et j'adore la lionne qui est en vous. Ah. Bravo. Merci. Merci.